Nous avons une belle organisation avec la fédération et nous continuerons à travailler et on budgète à quelque chose. Je vais vous dire tout simplement que quand il y a compétition internationale, il y a un budget qui est établi. Et ce budget, de concert avec la fédération concernée, est approuvé par l'autorité et envoyé au niveau des finances. C'est les finances qui ont le dernier mot, bien évidemment, avec le système sénégalais aujourd'hui, avec l'accord du chef de l'État. Mais avant de pouvoir dépenser ce budget, il faut lister l'ensemble des dépenses possibles envoyé au niveau des finances et on ne peut pas faire des dépenses qui sortent de cette liste-là. Donc, quand il y a un budget qui est monté et qu'il y ait, même s'il n'y avait pas de budget final, avant de monter le budget, nous savions que cette fois-ci, il y aura une étape de budget final, ce qui a été intégré. Et nous sommes en train de travailler avec la fédération, avec beaucoup d'intelligence, et éviter maintenant ce qui se faisait, parce qu'on ne peut plus. Comme on le faisait trimballer des milliards pour payer des primes, il faut changer de système comme on l'a fait avec la fédération, avec le monde du trésor, etc., etc., pour permettre en tout cas à tous les ayants droit de recevoir des primes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, il faut le rappeler, tout budget de cadre est monté en fonction de l'équipe et des acteurs. Je le dis, je l'ai dit l'autre jour, parce que les VIP, c'est les joueurs. Et quand on prend le budget de l'équipe nationale, le budget, l'ensemble, en tout cas le plus important, c'est au niveau des primes que ça, ça c'est. Nous allons continuer comme cela et nous travaillerons en tout cas à assurer ce paiement des primes avec la fédération en toute intelligence et qu'il n'y ait pas de difficulté. C'est ça que je peux vous dire pour votre question, qui est une question qui ne pouvait pas manquer, parce que j'ai vu même quelque part, des fois on écrit que les primes ont été payées, etc., etc. Mais je pense que depuis 2015, ça se fait sans que ça ne soit un événement. Et nous continuerons à travailler pour que ça ne soit pas un événement, parce qu'en réalité, ça doit se faire, c'est tout à fait normal. Alors, on a bien focus pour lui. Gracias.